secteur privé, avec plusieurs associations qui sont dans le secteur informel là, voyez avec eux comment l'État a accompagné eux pour renforcer, pour créer plus de jobs dans le pays. Dans l'idée ça, on veut que le gouvernement signe un pacte pour l'emploi et la croissance économique inclusive avec le secteur privé, de façon pour nous voir qui ça nous a fait ensemble pour créer plus de jobs dans tous côtés du pays. Frère Axel, nous connaissons depuis plus de 10 ans. Question salaire minimum, là, c'est un casse-tête sinon lié entre patron et syndicat et un gros problème. Bataille. Chaque temps où salaire minimum monte, par exemple, mon bruit, syndicat. La chimère la paix à l'unité nationale de la chèche aussi. Faut bien une rencontre générique entre syndicats et patrons. Une façon pour gagner un salaire minimum socialement acceptable, économiquement soutenable. Parce que ça nous a plus de la base. C'est une façon pour ouvriers qui ont travaillé, qui ont vivre plus bien. Et pour patrons qui ont une entreprise, qui a toujours un travail. À petit peuple. J'affaire petit critique qui est escombré dans l'usine à factory pour question salaire minimum à condition de travailler. Il faut que ça finisse. Nous tous, nous sommes membres, nous sommes mon seul pays. Nous tous, nous sommes haïtiens. Nous ne sommes pas tout le temps pour nous avoir la part de la gloire sur les problèmes que nous avons mis ensemble pour nous résoudre. Nous avons besoin de la paix dans la famille. Nous avons besoin de la paix dans l'entreprise. Et nous avons besoin de la paix dans tout le pays. Dans ce sens, le Premier ministre, nous avons demandé au gouvernement de nous mettre pour faire tout ce qui est possible pour un pacte social. Les CSST finissent d'oublier les affaires salaires minimum pour qu'il y ait un pacte social avec le patron, ouvrier et syndical dans le pays. Papa ici, je tiens tout effort d'administration à faire, c'est pour nous faire un projet durable pour le peuple. Pays a sont passés, plus passé 40 années depuis a gagné un pile pour le projet pour l'investissement qui fait malheur. Je laisse la page de mon travail parce que pas gagné un pile d'investissement de qualité qui fait. Moi, je connais ma vie en pile dans mon éroulement, mais nous tous avons aimé un gros projet fait malheur. Parce que pays a ici, c'est pour nous tous. Quand on a fait des efforts pour soulager les problèmes, les gens se perdent. Problème d'un coup. Mais il y a un président qui est responsable, il faut qu'il voie les gestes sur la vie du pays. La vie de Timoun. Il faut qu'on ne fasse pas erreur 40 dernières années. Sur le passé. C'est dans ce sens. On a continué à tout projet infrastructure. On peut parler de gros projets. Projet barrage, irrigation, route, construction, réseau électrique et agri. Ces projets, ça va permettre au pays à faire un développement, à chercher des critiques dedans. Le pays n'a pas à développer sans électricité, sans route, sans bloc monde, sans bloc monde. Pays pas capable de développer sans ça. L'aime en zone NIP, depuis nous sommes dans sa peau, pour nous y juste petit coup de NIP. On s'apprend à garder nous les deux bords. C'est plein pas pour moi. Et pourtant, un budget qui est passé sous le même pas comme il y a la mer. L'ombre zone nord-est, depuis nous quittons le quartier.
J'ai bien tapé à droite, à gauche, qui veut juste pas la main. Et pourtant, la grenouille est va passer par les vétérans avec tout le monde. C'est pas de même matin. Vous avez un cas de l'eau, ça vous met sous test. Mandez en pile sacrifice. Et c'est yo, nous décidons de faire là. C'est pour ça que nous réparons Marion commencé. C'est pour ça que l'étude a fait sous grande rivière du Nord pour nous mettre bloc sous plein nord-est avec plein nord. Mais pour le faire, ça nous dit là, c'est en 18 mois. Pour commencer, il y a des projets infrastructures qui doivent aller au-delà du mandat deuxième président à Brunabouine. Tellement, dis-nous, travail infrastructure, il y a du temps, il y a de l'argent, il y a un peu de politique. Mais il n'y a pas qu'à développer si nous ne faisons pas effort. Pour moi, comparer ce secteur privé. Même pas le secteur privé. Donc, tout le monde qui est toujours comprend. Le secteur privé, c'est peut-être deux, trois groupes. Tout le monde qui vit dans votre groupe. C'est pas ça. Le secteur privé, c'est tout le monde qui gagne une entreprise qui vit sur 27 750 km² pays. C'est lui qui s'est fait. Je tiens notre travail pour que le projet s'arrête, nous sommes pas là. Pour le projet infrastructure, nous travaillons pour être capable de prendre place sur le pays qui pour permettre au secteur privé d'être capable de joindre les moyens pour le travail plus bien dans un pays qui respecte tel. Parce que nous ne sommes pas capables de rester pour nous dire Haïti de nous rêver nous tout là, c'est Haïti de nous rêver aussi. Haïti de nous rêver nous tout là, c'est Haïti côté nous prendre une décision ensemble pour nous dire dans 25 ans qu'on va venir, mais comment nous voulons le pays. C'est le même genre, nous pouvons respecter des prix. Il faut qu'il y ait un système qui permette de faire face à toute forme d'accident. Qui ont gagné dans la vie. Moi, je vais parler d'une assurance pour les petits peuples là-bas, pour le cas de jouer un soin, sans ne pas obliger de vendre des gens, vendre des gens, vendre pour tomber dans les Nigériens, pour jouer un corps, pour mener un petit, un papa, un maman, un frère, un soeur, un cousin, un cousin, l'hôpital, les rouges, pour malades. C'est bon l'État. Yon assurance maladie pour petit peuple, c'est un projet qui est important pour l'avenir du pays. Aussi assurance maladie, on voulait une réflexion inclusive. Il y a dans tout secteur concerné. Nous tous pouvons quitter la carte. Petit peuple a bien les malades. On voulait une solidarité qui fait à tout le monde qui est malade dans le pays. Assurance passe aux outils importants en pile. C'est des co-décisions, mais c'est des décisions, c'est la tête ensemble grave. Parce que c'est le gros hôpital à construire dans le pays. On prend l'exemple l'hôpital général qui a construit tout le monde. Mais il faut commencer à réfléchir comment on choisit aujourd'hui pour que le monde soit un soin de santé dans le pays. Là, c'est nous-mêmes ensemble qui vous faites. Premier ministre nommé. Dans un temps qui n'est pas trop long, après vous finissez une faute de confiance. Ça veut dire que ça dépend de l'allemand. Sous, ça fait politique générale. Maintenant, il y a un rapport. Sous quatre travail, il commence déjà. Dans les affaires réforme de l'hôpital, ce système assurance maladie obligatoire pour vous tout perdre. Parce que c'est important qu'on travaille dans ce sens avec les gens qui concernent, les gens qui ont un système dans les gars pour nous joindre un résultat.
Là, nous, il veut faire ça. Nous, il parler de projet assurance universelle de santé, ça. Là, permettre, on va développer, on va avoir un moyen pour développer l'hôpital public. Il faut payer à un médecin, à un infirmier, pour mettre la donne. Là, on finit formé à propre peuple, là. On ne va pas courir quitter le pays. Comme tout Haïtien qui veut le pays, là, et qui veut toute petite nation arrêter sous les lions à gauche, et comme autorité, maman doit payer à bonne responsabilité pour me veiller à bonne marche institution. C'est dévoiement pour me demander de nous être calme. Flambeau la paix à bien, flambeau unité nationale, est-elle pire aujourd'hui? Parce que tant ça a évolué, tant le monde s'est dans un parti politique, l'autre s'est dans un parti politique, et nous ne sommes pas capables de chiter ensemble. Nous avons tant ça encore. Tant, si les Georgiens, son temps unité nationale avec la paix, c'est des outils qui nécessaires pour le pays à avancer tout le monde. Moi-même, comme président de la République, je travaille chaque jour qu'on dit mettre, pour le pays a été uni, pour lui avoir la paix à monter le pied. Le pays n'a pas qu'à marcher dans l'union, dans la division, dans la trahison, dans la méfiance, dans le mensonge. Le pays a bouqué, il n'a pas marché dans tout ça. Nous avons un pire effort pour nous faire, pour le pays a avoir un développement nouveau pour le petit peuple. Pour ça faire, la paix et la stabilité avec la paix. C'est pour ça que nous, pour nous prêcher la paix avec l'unité, et pour nous aider sur route ça. Parce que c'est pour nous, c'est pour le développement, et c'est pour ça qu'on mène un progrès économique et social que nous vivons. On va dire un point. Je dis à l'important en pile. Pour nous être attachés à l'institution démocratique. Il y a une grosse réforme qui est faite dans l'institution démocratique. Il faut que le peuple ait un travail travaille l'institution démocratique à faire. Et de l'autre côté, toute institution nous a besoin d'appuyer le peuple pour qu'il fasse travail la constitution à la loi PIA Bayou comme mandat. Toute institution pays, c'est pour nous, nous tous mettre ensemble. Et c'est pour nous qui vivons dans le pays. C'est pour les Haïtiens qui ont travaillé. Pour protéger nous contre ça malhonnête, permettre de nous vivre comme ça doit et protéger l'acquis démocratique. Moi, on est en pile d'institutions qui nous fait. C'est pour ça. Mais quoi est bon pour nous tous travailler et gagner un comportement responsable pour aider le pays à marcher fort à faire pour renforcer. Je vais parler de toutes les décisions que nous connaissons, parce que nous en pile. Mais c'est pour nous travailler pour nous renforcer. Maintenant, le nouveau Premier ministre Mounia, et toutes mes cibles qui prévoient d'arrêter sous train de vivre l'État, reprendre encore le Premier ministre, arrêter ça que nous découvrons dans l'année dernière, qui est précisément 29 mars 2017, 64 articles pour appliquer totalement dans toutes les institutions d'État. À partir du mois d'octobre prochain, pour permettre de nous dégager des ressources pour financer le programme d'un bénéfice peuple. L'État doit être pire. Dans ce sens, la réforme de l'État doit avancer pire pour l'institution de l'État qui a des services à la population. Maintenant, le Premier ministre nommé. Pour assurer le coordonnateur OMRH, jouer le moyen du besoin pour être capable de dynamiser les réformes de l'État.
accompagner tout service public dans l'Afrique et les équipements pour renforcer l'institution. Vous avez besoin d'une administration publique qui vous a dit service. L'État est là pour servir le peuple. Pour finir, je vais parler de toutes les responsables de l'institution publique. Pour parler toute collaboration à nouveau Premier ministre Nouméa, si Parlement nous est ratifié. Par vote de confiance politique générale. Comme nous connaissons, j'aime des campagnes de dire dans la tribune des Nations Unies, dans le mois de septembre 2017, la corruption est un crime contre le développement. Pour éradiquer ce mal, je pense que la corruption n'est pas un mal endémique à Haïti. Je pense que la corruption qui fait système dans le pays aujourd'hui peut être éradiquée par un comportement sain de nos fonctionnaires publics. Il ne peut pas y avoir de corrompu sans corrupteur. Et il ne peut pas y avoir de corruption sans corrompu et corrupteur. Si la corruption est un crime contre le développement, les corrompus et les corrupteurs, nous pouvons dès à présent les considérer comme des criminels. Donne la voix à la pauvreté pandémique, je dirais aujourd'hui que ce pays est en train de vivre, parce que 214 ans de pauvreté, ça n'est pas ça. Nous sommes un parfum de l'histoire où cette génération doit dire son nom. Président de la République, chef de l'État, garant de la bonne marque des institutions, je suis prêt. Monsieur le ministre. Générique.
Amen.